Et salut tout le monde, c'est Dina et Safira, et aujourd'hui Dina a décidé qu'il ne ferait pas d'intro. Non, je parle pas. Je me tais. On ne m'entend plus. Et donc nous allons continuer notre magnifique jeu, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors je suis ici. On se retrouve encore sur Mario Kart 8. Je vais prendre Villageois. Villageoise, allez. Avec ma petite couette rose. Alors, et Safira, bien. Qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce qui m'inspire? Pas grand-chose. Donc ça, on a fait... Allez, ça. La coupe fleur? La coupe fleur. Et c'est parti! Alors, est-ce qu'il va y avoir beaucoup de nouveautés? Celle-là, je la connais. Ah bon? Bah oui, elle y est sur 3DS. Ah bah voilà. Mais le premier niveau, peut-être. Peut-être pas tous, ils ont dû remixer... Hein. Circuit Mario, eh ben dis donc, pour aller essayer chez Peach, c'est bizarre. Tut. Il y a Wario à côté de moi, il est totalement en loupé. Ah, ça tourne, ça tourne. Ah, coucou. Il y a des Goombas au milieu de la route. Ah là là, mais oh là là, je vois le château à l'envers, je suis perturbé moi. Mais pareil, j'étais en train de penser la même chose, putain, le château à l'envers, c'est bizarre. Au tout départ, ils avaient l'idée dans ce Mario Kart de faire en sorte que la caméra ne nous suive pas quand on est à l'envers, tu sais, quand on est ouais. Personnage. Mais au final, il a dit que, je crois qu'ils ont dit bah, que c'était pas possible. Ah là, je viens de taper la plante, Ma sœur, quand elle joue à ce jeu, ça la perturbe, c'est quand elle voit les roues se retourner comme ça. Ouais. Quand on est contre la gravité. Ah non, non. Qu'est-ce que tu fais? Mais j'ai jeté ma banane en arrière et du coup, j'ai fait n'importe quoi. Ah non, la porte dégage. Ah mais eux ils ont pas de cris en fait, ils font... Non ! Ils ont pas de cris, les villageois et la villageoise, ils font juste les bruitages qu'on a entendu. Youhou ! Bon, on est bien tranquille oh, dans putain. Cette course. Coucou. Je fais n'importe quoi. Ah, on est tous les deux dans la course. Ouais, y'a pas de se demander, ouais. Je sais pas ce qui se passe, mais d'habitude les autres se défendent un peu plus, quoi, même ensemble. Je fais n'importe quoi. Ils sont en train de nous faire un piège, tu paries. En fait, ils font la... on fait la course à l'envers tout à l'heure. Ouais. Ah, c'est comme on dirait certains, c'est pas parce qu'on est niveau 100 qu'on est plus des noobs. Ouais. Alors, je sais pas où étaient les autres, hein. Apparemment, c'est Peach d'or rose qui était le plus collé à nous, je l'ai pas vu. Regarde, Wario, il m'a fait rire dès le départ. En plus, nos persos qui tournent la tête c'est à chaque fois qu'on croise quelqu'un. Regarde. Regarde, il regarde. Et j'ai ta coiffure. Oh. T'as plus qu'à te mettre les cheveux roses. Oh bah alors là. Certainement pas. Et j'ai répété mon moteur. J'ai vu. C'est parti, on va y arriver. Je l'aime pas celui-là. Quoi, ce niveau? Ouais. Je sais pas, il me dit rien, moi. Ah!
Je me suis fait pousser. Mais je suis passé par où là? C'est encore un niveau avec 30 chemins différents. Ouais, c'est ça. Ouh, ça m'a énervé. Et c'est dans ce niveau, je crois, où il y a eu le même avec Luigi. Ah, tramway. Et c'est qui les organisateurs? C'est moi qui me suis tapé. C'est qui les organisateurs, sérieux? Alors je te visais hein. Ouais, c'est un départ, c'est un début. Je sais que mon frère il adorait les carapaces vertes, il préférait. Il trouvait que c'était plus rigolo parce que ça permettait un plus grand challenge de calculer comment faire. Il aimait pas les carapaces rouges. Parce que je sais pas si tu t'as déjà entendu parler, mais le Mario Kart de GameCube, il s'appelait Mario Kart Double Dash et on pouvait être deux sur le kart. D'accord. Et donc moi je conduisais et mon frère s'occupait des objets. D'accord. Derrière. Et il pouvait taper les ennemis s'ils passaient à côté de nous en fait. Ah ouais. T'as de la chance, c'est parce que j'ai raté mon virage. Hein. Here we go. Wouh. T'as vu, je fais des sauts. N'empêche, pour faire ça, ça doit être rigolo en vrai. Purée. Vas-y, tire sur le volant. Tire sur le volant. Ah. Ah oui, attends, on a assuré tout le début. Faut pas le laisser arriver en premier. C'est un bébé en plus. Ah un bébé, c'est bébé qui. Ah ouais, mais t'as vu? C'est qui a balancé 340 carapaces? Je sais là pas. Mais ouais, mais oh. Mais c'est quoi, cette... mais c'est quoi cette fiesta? Il y a 40 carapaces là. Mais oh putain, mais c'est pas vrai. Oh, c'est pas possible. Oh, attends, on a été premiers tous les deux pendant. Mais oh, j'y crois pas. Vroom, vroom. Vite! Oh, j'ai failli te passer, hein! Mais vraiment pas grand chose. Ah non, c'était pas toi, c'était. Non, c'était Wendy! Ah ouais, les cheveux roses aussi. Hein. Enfin, un truc rose. Oui, c'est vrai, un gros nœud. Et justement, si on en profitait pour que tu dises ton avis rapide, tu peux, comme toi, tu es une très grande fan de l'Abeille et la Bête par rapport au film, tiens. Oh mon dieu, c'est vraiment mon avis. J'ai encore regardé la critique aujourd'hui d'Ample Max, c'est fou, comment je suis d'accord avec personne. Oui, mais tu restes que t'es quand même déçu. Ah, Oncle Buck a pas dit qu'il est. Enfin, c'est pas vraiment que je suis déçu, mais ouais, je m'attendais à mieux. Bah, c'est ça le truc. Je m'attendais à mieux. En fait, ce qui m'a vraiment pourri le film, c'est la scène de balle, quoi. Moi, je trouve. Alors, ah bon, je suis désolée, Oncle Buck, si tu tombes sur cette vidéo, mais je tiens à te dire que ça ne reflète pas du tout ce qu'il y avait dans le dessin animé. Loin de là. Je trouve que c'était vraiment. Les prises de caméra et tout pour cette scène, c'est. Non, pour moi, c'était pas. C'est... Franchement, dans le dessin animé, c'est. Une... Ouais, c'est vrai. Très belle partie, et là, j'ai c'est vrai, Oncle que... Buck a dit que ça a pris plan par plan, mais je sais pas. Pas du tout. Faudrait que je lui pose la question parce que je sais pas si c'est peut-être mélangé dans ses paroles, mais c'est vrai que j'ai pas compris ce moment. Ouais, mais de toute façon, chacun a vu le dessin animé à sa manière, donc forcément, chacun voit le film à sa manière. Oui, non, mais et après, du je coup, je ne critique pas la façon que vous avez de le voir avec Princess ou Oncle Buck le voir. Hein. Mais moi, sincèrement. Sur le fait que je préfère largement le dessin animé. Ah bah de toute façon, c'est ce que. Et pourtant, je suis une très grande fan de Mario Kart. Sam Pseudo a sorti sa vidéo bah, aujourd'hui même, pour ceux qui. Enfin, ça va être longtemps qu'on va sortir cette vidéo, mais. Et il a dit un truc qui. Enfin,
qu'on avait tous déjà pensé, mais il a dit d'une belle façon. Il a dit, lequel des deux vous préférez retenir, le dessin animé ou le film? Il dit, si vous préférez regarder le film, eh ben, je m'inquiète pour les générations futures, quoi. Ouais. Parce qu'en fait, voilà, c'est qu'en tout cas, c'est qu'on est tous d'accord au moins sur le même point. C'est qu'il n'y a vraiment aucune utilité, enfin, au niveau artistique, comme l'a dit son pseudo, il n'y a aucune utilité à ce film, en fait. Il a dit, oui, c'est sûr qu'il va rapporter de l'argent, ça c'est certain, mais d'un côté artistique... Après, il y a un bon casting, hein, faut pas le dire, il faut avouer, il y a un très bon casting. Mais le casting fait pas tout, la preuve. Mais voilà, le casting fait pas tout. Moi, j'adore Emma Watson, j'adore Emma Thompson, j'aime bien l'acteur qui joue Gaston, mais... Ça nous prouve bien, ouais. Ça nous prouve bien, de toute façon, ça nous prouve bien qu'un casting ne veut pas forcément tout dire. C'est ça. Parce que tu mets un bon casting, forcément tu seras. Et c'est ce que disait son pseudo aussi. Il a dit, vu comment ils sont partis dans les réadaptations, pour l'instant tout le monde est d'accord. En fait, sur le seul que j'ai pas vu en plus, que Peter Elliott est le mieux pour l'avoir refait. Oui, c'est ce qu'il parle. Et il a dit qu'il s'inquiétait parce qu'il a dit si jamais les suivants sont en général comme ont été la majorité des autres, et ben ça fait peur, quoi. Mais t'as pas vu où j'ai tagué Mag? Non. Que Nala, ce serait bien aussi qu'il a fait. Ah bon? Remarque, s'il y a une partie chantée. Ah non! Avec Mag en plus, on n'est pas trop pour qu'il y ait qu'il y ait du chant, quoi. Et bah. Voilà. On verra bien. Beyoncé, c'est tout ce que je peux dire. Bah après on sait pas, on peut être surpris. Mais c'est ça le souci. Oui, après c'est comme tout, c'est des rumeurs, mais... Mais après, c'est ça le souci, on sait jamais si on va être surpris ou si... Maintenant j'avoue qu'après La Belle et la Bête, je vais avoir peur. Et ben moi, à cause de La Belle et la Bête, j'avais vu... Alors je ne sais pas si ça arrivera, mais j'avais vu qu'ils voulaient faire Anastasia, un film de live, ouais. Et ben je m'inquiète énormément. En sachant que c'est mon dessin animé préféré. Ouais. Après le truc, c'est que... On a tous, quelque part, le réflexe de vouloir y comparer avec le dessin animé, c'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Mais quand ça fait comme La Belle et la Bête, où ça joue et les trois quarts sur la nostalgie, ça sert à rien. Ça a bercé notre enfance, donc... Autant refaire une histoire depuis le début, et puis c'est tout. C'est vrai. C'est pareil, c'est ça aussi, quand tu touches à des trucs que tu connais, que tout le monde connaît, tout simplement, que tout le monde connaît, et même tu fais une réadaptation, si tu la fais pas correctement, les gens vont pas aimer, si tu la changes, les gens vont pas être contents parce que ça change la nostalgie. Oui. C'est pour ça que moi je dis, faut pas toucher à ce genre de truc, quoi, parce que... Son pseudo a aussi dit que, malgré ce qu'on croit, le film est quand même vachement jeune, quoi. Il a eu que 25 ans cette année, donc c'était pas le film qu'il fallait remettre en avant, forcément, quoi. Ouais. Même si c'est vrai que j'ai été le premier happé quand j'ai vu le premier teaser. Et au final, et moi, pareil. Ouais, de même. Le teaser, franchement, faut avouer, ils ont... Limite, ils ont plus réussi le teaser que le film, quoi. Et sans... Ouais, non, mais c'est sûr. Son pseudo a même fait remarquer que les musiques ont beau avoir été remixées, reprises par le même créateur, il a dit que ça fonctionne moins parce que les musiques qu'on connaît, nous, ont été vraiment créées pour le dessin animé, pour être à des situations précises, pour être à des ambiances précises. Et du coup, que dans ce film, ça sert à rien, à part pour servir la nostalgie. Il y a tellement... Il y a bien un truc, donc je crois que c'est Pompeba qui l'a dit, et je suis d'accord avec lui, c'est qu'on dirait qu'ils ont mis de la musique pour éviter d'avoir trop de dialogue. C'est vrai. Et ça, c'est vrai que moi, même moi, j'avoue, il y avait beaucoup, beaucoup trop de musique. Ouais, même ouais. S'il y en a des très belles, etc., moi, je trouve qu'il y a beaucoup trop de musique. Qu'ils ont changé les paroles, bon, ma foi, c'est pas... Moi, bah, après, ça apporte un renouveau, ouais. Ouais, voilà, on va dire que ça apporte un peu de modernité, mais après, c'est vrai que à peine ils disaient deux phrases, il y avait une musique nouvelle, quoi. Ouais. Je me demande si en VO les paroles ont changé. Mais bon, comme je connais pas les musiques en VO, mais bon, c'est par curiosité, tu vois. Juste pour savoir si c'est les Français qui se sont permis de faire ça. Donc le Buck aussi l'a vu en VF d'ailleurs. Je sais pas pour son pseudo, mais comme il est. Il me semble que comme il est dans un petit patelin comme nous,
sais pas si. Je sais pas, il faudrait... j'ai vu sa vidéo rapidement tout à l'heure. Ah non, 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 j'ai tombé dans le trou, dans le trou, dans le trou. Ah! Gonna sweep. Enfin voilà, le truc c'est qu'on s'attendait à mieux. Ah oui. Moi, la musique que j'ai préférée, c'est celle de. Personne n'a l'air d'être sur ça, c'est celle de la bête. Bah, de toute façon, chacun son avis. Hein. Et la scène que j'ai préférée, par exemple, c'est celle de. Comment ? La chanson de Gaston et le fou. Ah oui. C'est la mieux mise en scène. Ouais. Bon, pour le coup, ça fait hyper comédie musicale, mais c'est parce que ça fait vraiment comédie musicale que ça passe. Alors que les autres. Bah après, c'est plus une comédie musicale qu'un film. Excuse-moi, avec toute la musique qu'il y a. Sam Pseudo dit que. Je me sers beaucoup des mots des autres. Mais il a dit qu'il y a beaucoup de choses qu'ils ont expliquées qui auraient mieux valu rester secret. Il a dit par exemple, c'est vachement dommage que dès le début, même s'il est maquillé, on voit le visage du prince. Ouais. Ça enlève le côté bête. Ouais. Mais ouais, ça empêche pas par exemple, je trouvais que raconter, même si c'est touchant, raconter la mort de Belle. La mort de la mère de Belle. Hein. La mort de Belle. Ah, pour le morte. Pour moi, c'était un peu inutile. Ça apporte pas grand chose. Mis à part, ben, pour mieux comprendre l'histoire du père, en fait. Oui! Parce que Belle était trop petite, donc. Mais après, ouais, non, il n'y avait pas. J'ai une musique dans la tête! Ouais, les tampons. Et c'est pareil, moi! Pendant les tampons sont moyens. Bah, vas-y, de toute façon, on a le temps. Ah, elle est belle cette coupe! Après, par rapport au fait que je me dois, du coup, j'avais regardé votre live, votre vidéo et tout. Oui. Tout le monde disait que la fête était la plus belle scène, et du coup, je m'attendais à un truc hyper explosif. Elle est belle, hein, j'ai pas le contraire, mais. Bah, c'est Princesse qui a été sous le charme. Moi, j'ai trouvé que c'était. C'était beaucoup de paillettes pour pas grand chose. Ouais, bien sûr. Mais bon. Et puis, Histoire éternelle a rien. Histoire éternelle, oui, ils y ont pas touché. Mais du coup, comme il se passe pas grand chose dans la scène de bal en même temps, c'est une scène qui, au lieu d'être hyper touchante, est juste banale. Banale. Banal. Franchement, alors, elle est banale. Ouais. Moi, je trouve que ça. C'est l'endroit où il vous fallait le plus de magie, le plus de romantisme, etc. Et moi, je trouve que c'est ce qui manquait le plus dans cette scène. Et comme a dit Oncle Buck, du coup, c'est vrai que pour la bibliothèque, en fait, c'est quoi là? Ils ont pas assez montré l'immensité, quoi. Ouais. Ça fait une bibliothèque. Après, c'est vrai qu'il y a le côté que c'est un peu chiant, les côtés fous à chaque fois qu'ils font de grandes vues, mais bon. Oh, ça m'a pas dérangé plus que ça. Bah, en même temps, ils font en sorte qu'on soit visé sur les personnages. Donc. Mais bon, voilà, c'est un bon film, mais le problème, il souffre du fait qu'il y en a eu un meilleur avant lui, quoi. C'est ça. Et voilà. Et ben, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Oui.